Bonjour tout le monde! Welcome back to Learn French with Net. So today's video is a listening exercise. We're going to go over the words, well, some of the words that we used in our last lesson related to health, how you're feeling. So we're going to go over an interaction between somebody calling 911 for help because something happened to her sister. Everything's going to end well in this scenario, okay? But it's just going to allow us to practice the verbs and the different words, okay? So I'm going to disappear from your screen. I'm going to put the text up. I'm going to go over it a first time slowly, and then we're going to go over it a second time a little bit faster, maybe how a regular native French speaker would speak in Canada, okay? Don't panic if you don't understand all the words. I'll write a translation below, and it's really just for you to practice listening to French to how the sounds are, okay? So don't panic, just listen, just relax, and I'll see you at the end of the video, okay? Sophie signale le 911. Bonjour, quelle est votre urgence? Il a eu un accident. Qu'est-ce qui est arrivé? Ma sœur, elle était étourdie et elle avait de la difficulté à respirer. Ensuite, elle s'est évanouie. Est-ce que ta sœur est pâle? Oui, très pâle. Pouvez-vous envoyer une ambulance, s'il vous plaît? Vite! Donnez-moi votre adresse, s'il vous plaît. 243 rue Marin à Montréal. S'il vous plaît, restez sur la ligne. L'ambulance devrait arriver bientôt. L'ambulance arrive quelques minutes plus tard. La sœur de Sophie est admise à l'hôpital sur une civière. Les médecins la soignent et elle se sent beaucoup mieux. La sœur de Sophie peut rentrer à la maison. Okay, so let's do it a second time and I'm going to read it at a regular pace. Okay, you guys ready? Let's do it. Sophie signale le 911. Bonjour, quelle est votre urgence? Il y a eu un accident. Qu'est-ce qui est arrivé? Ma sœur, elle était étourdie et elle avait de la difficulté à respirer. Ensuite, elle s'est évanouie. Est-ce que ta sœur est pâle? Oui, très pâle. Pouvez-vous envoyer une ambulance, s'il vous plaît? Vite! Donnez-moi votre adresse, s'il vous plaît. 243 rue Marin à Montréal. S'il vous plaît, restez sur la ligne. L'ambulance devrait arriver bientôt. L'ambulance arrive quelques minutes plus tard. La sœur de Sophie est admise à l'hôpital sur une civière. Les médecins la soignent et elle se sent beaucoup mieux. La sœur de Sophie peut rentrer à la maison. Okay, guys, how was that? Do you want me to go over it one more time? Maybe at a medium pace, not too fast, not too slow. Just like the three bears, guys. We're gonna go a little bit medium, okay, for this one? Okay, last time. Sophie signale le 911. Bonjour, quelle est votre urgence? Il y a eu un accident. Qu'est-ce qui est arrivé? Ma sœur, elle était étourdie et elle avait de la difficulté à respirer. Ensuite, elle s'est évanouie. Est-ce que ta sœur est pâle? Oui, très pâle. Pouvez-vous envoyer une ambulance, s'il vous plaît? Donnez-moi votre adresse, s'il vous plaît. 243 rue Marin à Montréal. S'il vous plaît, restez sur la ligne. L'ambulance devrait arriver bientôt. L'ambulance arrive quelques minutes plus tard. La sœur de Sophie est admise à l'hôpital sur une civière. Les médecins la soignent et elle se sent beaucoup mieux. La sœur de Sophie peut rentrer à la maison. How was that, guys? Not bad? So like I said, don't panic. It's okay if you don't speak fast like this or use these contractions. Just get used to the sound of French, okay? Like in the other videos, I try to speak a little bit how somebody would speak in a regular real-life situation. So there are a lot of contractions that are used.
So for example, il a eu un accident is going to sound like y a eu un accident. Okay? Y'a, il y a becomes y a eu un accident. And the question is, qu'est-ce qui est arrivé is going to sound like qu'est-ce qui. Instead of qu'est-ce qui, sounds like qu'est-ce qui est arrivé. Okay? The question, est-ce que ta sœur est pâle? Est-ce que is going to sound like est-ce que. Est-ce que ta sœur est pâle? So I think that covers the major contractions for this video. If you have any questions, be sure to write them down below. I check the comments pretty regularly to try to help you guys out if you have any questions. And be sure to come by next week for my next video, okay? Merci beaucoup, les amis!